Bienvenue sur Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, notre sujet est le dysfonctionnement de la glande thyroïde. L'hérédité joue un rôle majeur dans les maladies thyroïdiennes. Les causes de la glande thyroïde, son traitement et comment le prévenir, nous passerons en revue dans ce sujet, car la glande thyroïde est affectée par la nature de la vie quotidienne et par de nombreuses choses qui causent son trouble et la survenue d'un certain nombre de complications et les symptômes. Causes de l'hypothyroïdie, son traitement et comment la prévenir. Dysfonctionnement de la glande thyroïde. Cause de l'hypothyroïdie. Carence en iode. Avoir une maladie auto-immune appelée thyroïdite de Hashimoto, une maladie héréditaire qui attaque le système immunitaire de la thyroïde. Un défaut de la glande pituitaire. La survenue de certaines infections temporaires de la glande thyroïde. Prendre des médicaments qui affectent la glande. Traitement thyroïdien. Le traitement de l'hypothyroïdie est basé sur le remplacement du patient par l'hormone thyroxine. Chez les personnes de moins de 60 ans qui ne souffrent pas de maladie cardiaque, le médecin leur donnera de la lévothyroxine. La dose varie entre 50 et 100 microgrammes par jour. Chez les patients âgés ou ceux souffrant de maladies cardiaques connues, la dose doit être réduite entre 12,5 et 25 mg par jour, et la dose doit être réduite progressivement. Comment prévenir la glande thyroïde ? Manger des aliments qui contiennent de l'iode, comme le poisson et les produits laitiers. Arrêter de fumer. Buvez de l'eau et des liquides en quantité suffisante. Pratique du sport. Évitez les aliments de la famille des crucifères, comme le chou-fleur et le brocoli. 4 aliments que les patients thyroïdiens devraient manger tous les jours, qui sont des aliments qui contribuent à réduire les symptômes du trouble thyroïdien, et aident à atténuer ses effets, et travaillent à améliorer la sécrétion des hormones thyroïdiennes, et ce sont des aliments riches en vitamines, minéraux et nutriments qui y parviennent, et ils sont dans le prochain. Les femmes développent souvent une hypothyroïdie, qui est une maladie courante qui affecte plus les femmes que les hommes, et qui a plusieurs causes, et une glande thyroïde sous-active nécessite de manger plus d'aliments que d'autres pour réduire ses symptômes et ses effets, tels que les aliments riches en iode, car l'iode favorise la santé de la glande thyroïde et l'aide à sécréter ses hormones, et les aliments riches en iode sont sel iodé, algues, des œufs, les produits laitiers. 2. Aliments riches en minéraux nécessaires à la glande thyroïde, dont les plus importants sont le sélénium, le zinc, le magnésium et le fer, tels que poulet, bœuf, crabe, thon, flétan et crevette. Légumineuses, graines de citrouille, des noisettes, légumes à feuilles. 3. Les aliments riches en vitamine D, car c'est une vitamine importante pour la santé et le fonctionnement de la glande thyroïde, tels que des œufs, céréales de petit déjeuner enrichies, laitiers. 4. Aliments riches en huiles saines en raison de leur importance pour la santé de la glande thyroïde, tels que des noisettes, noix de coco, huile d'olive. Cause de l'hypothyroïdie chez les femmes. La maladie de Hashimoto. Exposition à la radiothérapie. Incidence de la carence minérale après chirurgie. Carence en iode dans les aliments. Infection dès la naissance, problèmes congénitaux. Maladie pituitaire. Certains médicaments provoquent une hypothyroïdie. Maladie auto-immune, syndrome de Tegrand et polyarthrite rhumatoïde. Diabète. Remarque, avant de faire ou de suivre ce traitement ou cette méthode, veuillez consulter un médecin spécialiste. 8 problèmes de santé causés par la glande thyroïde. Généralement, ces problèmes de santé sont le résultat de troubles ou de maladies de la glande thyroïde qui provoquent un déséquilibre dans la sécrétion de ces hormones. Et compte tenu de l'importance de la glande thyroïde, de son rôle dans le corps et les hormones qu'il produit, ce qu'il affecte le corps dans son ensemble et ces problèmes que nous apprenons à connaître dans ce qui suit. Cause de l'hypothyroïdie, son traitement et comment la prévenir. Troubles mentaux, le dysfonctionnement de la thyroïde peut affecter l'état psychologique, car il est à noter que le manque de sécrétion d'hormones thyroïdiennes augmente les sentiments de tristesse et de dépression, ce qui conduit à la paresse et à la léthargie. Troubles de l'excrétion, la glande thyroïde a un rôle dans la régulation du processus digestif, et tout défaut de celle-ci provoque des troubles de la digestion et de l'excrétion, notamment la constipation et l'occlusion intestinale. Dormir trop, le manque d'hormones thyroïdiennes entraîne un ralentissement du métabolisme et du rythme cardiaque, et provoque ainsi une léthargie due au manque d'énergie, ce qui fait que le patient dort beaucoup. Problème de peau et de cheveux, on sait que la glande thyroïde a un effet sur la peau et les cheveux, et tout défaut de celle-ci provoque des problèmes de cheveux tels que la perte de cheveux et la déshydratation, et provoque des problèmes de peau tels que la sécheresse, la matité et les démangeaisons. Gain de poids, le manque d'hormones thyroïdiennes provoque une augmentation soudaine du poids en raison d'un métabolisme médiocre, d'un appétit accru et d'un stockage accru des graisses dans le corps. Douleurs musculaires et corporelles, l'un des problèmes les plus courants causés par la glande thyroïde est la douleur musculaire constante et les courbatures multiples.
problèmes cardiaques et de pression artérielle, tout trouble de la glande thyroïde cause des dommages au cœur, entraînant des palpitations cardiaques et une hypertension artérielle. Douleurs à la gorge et au cou, la glande thyroïde provoque des douleurs dans la gorge et le cou, ainsi qu'un gonflement de celle-ci. Remarque, avant de faire ou de suivre ce traitement ou cette méthode, veuillez consulter un médecin spécialiste. Quelle est la relation entre le gingembre et l'inactivité thyroïdienne? La relation réside dans le fait que le gingembre est l'un des aliments qui conviennent aux patients souffrant d'hypothyroïdie, car il aide à traiter l'hypothyroïdie en stimulant la production d'hormones, mais le gingembre doit être utilisé dans cela après avoir consulté un médecin car cela contredit les médicaments contre l'hypothyroïdie. Dans ce contexte, nous apprenons les aliments appropriés pour les patients hypothyroïdiens et les causes de leur inactivité. Aliments adaptés aux patients hypothyroïdiens. Les aliments qui aident la glande thyroïde à sécréter ses hormones et à réduire les symptômes d'inactivité, en contenant des nutriments et des antioxydants qui y parviennent, tels que noix, œufs, produits laitiers, poulet, bœuf, poisson, légumes verts, fraises, algues, en particulier varech, nori et wakam. Cause d'une thyroïde sous-active. Les maladies cancéreuses et leur traitement provoquent l'hypothyroïdie. Une intervention chirurgicale sur la glande thyroïde provoque son inactivité. Maladies immunologiques telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Hashimoto, qui attaquent la glande thyroïde. Certains médicaments utilisés pour traiter les maladies chroniques provoquent une hypothyroïdie. La carence en iode dans le corps est soit due à une mauvaise alimentation, soit à une certaine maladie. Des malformations congénitales de la glande thyroïde dès la naissance peuvent provoquer une thyroïde paresseuse. Problèmes de glande pituitaire. Symptômes d'une thyroïde sous-active. Gonflement du visage. Sensation constante de fatigue, fatigue, épuisement et perte d'énergie. Prise de poids et troubles de l'appétit. Changement de voix et enrouement. Troubles digestifs et constipation. Sécheresse de la peau et des cheveux. Sensibilité excessive au froid et aux extrémités froides. Faiblesse musculaire et douleur pendant le mouvement. Remarque, avant de faire ou de suivre ce traitement ou cette méthode, veuillez consulter un médecin spécialiste. 6 aliments interdits aux patients souffrant d'hypothyroïdie. Les légumes crucifères ne conviennent pas aux patients hypothyroïdiens. Le soja ne convient pas aux patients hypothyroïdiens. 6 aliments interdits aux patients ayant une glande thyroïde sous-active, ce sont des aliments qui augmentent les symptômes d'inactivité de la glande thyroïde et nuisent à la santé. L'inactivité de la glande thyroïde signifie un manque de sécrétion de ses propres hormones, et en retour il y a des symptômes qui contribuent à réduire la sévérité des symptômes d'inactivité de la glande, en contribuant à son activation et à propos de tout cela, nous apprenons ce qui suit. Aliments interdits aux patients souffrant d'hypothyroïdie. Légumes crucifères comme le chou-fleur, le brocoli, le chou et le chou frisé. Produits à base de soja tels que le lait de soja et les graines de soja. Aliments riches en acides lipoïques, comme le foie, les reins et le cœur. Aliments riches en graisses malsaines comme les aliments frits et les plats cuisinés. Aliments contenant du gluten comme le blé et l'orge. Aliments préparés et transformés remplis d'exhausteurs de goût, de colorants artificiels et de conservateurs. À l'exception de ces aliments, tous les aliments sains à base de légumes et de fruits doivent se concentrer sur leur consommation en quantité suffisante pour activer la glande thyroïde et réduire les symptômes de son inactivité. Symptômes d'une thyroïde sous-active. Agrandissement de la glande thyroïde. Troubles du cycle menstruel chez la femme. Douleurs dans les muscles, les os et les articulations. Fatigue, fatigue générale et sensation de fatigue fréquente. Troubles de l'excrétion et de la constipation. Sensibilité au froid. Peau et peau sèche. Troubles de l'appétit et prise de poids. Gonflement du visage. Changement de voix et enrouement. Niveau élevé de cholestérol nocif dans le sang. Rythme cardiaque lent. Troubles de santé mentale, notamment la dépression. Problèmes cérébraux, y compris mauvaise mémoire. Cause d'une thyroïde sous-active. Malnutrition et carence en iode. Maladies immunitaires. Certains médicaments provoquent une hypothyroïdie. Incidence des maladies cancéreuses. Subir une chimiothérapie et une radiothérapie. Grossesse et accouchement. Subir une opération pour enlever une partie de la glande thyroïde. Remarque, avant de faire ou de suivre ce traitement ou cette méthode, veuillez consulter un médecin spécialiste. 5 meilleurs exercices pour stimuler une thyroïde sous-active. Les exercices pour stimuler une glande thyroïde sous-active représentent l'un des moyens naturels par lesquels les problèmes de thyroïde peuvent être traités. L'exercice pour une glande thyroïde sous-active active le corps lorsque la glande est paresseuse, soulageant les symptômes, augmentant la capacité de sécréter des hormones, augmentant le taux métabolique et aidant à augmenter l'efficacité des médicaments.
En outre, l'exercice aide les patients dont la thyroïde est sous-active à améliorer leur humeur, à perdre du poids, à augmenter leur énergie et leur activité et à maintenir un cœur sain et actif. Mais il n'est pas possible de faire de l'exercice, car des exercices stricts et difficiles peuvent ne pas être bénéfiques pour le patient thyroïdien, mais plutôt augmenter la maladie, entraîner une sensation de fatigue et rendre le patient plus fragile et plus faible. Ligne directrice avant de faire des exercices pour stimuler la glande thyroïde inactive. Consultez votre médecin avant de commencer tout exercice ou avant de poursuivre les exercices que vous faisiez auparavant. Engagez-vous à prendre le traitement de l'hypothyroïdie et assurez-vous que vos niveaux d'hormones sont sous contrôle. Évitez de prendre des suppléments nutritionnels avec de l'exercice, tels que des suppléments de protéines pour développer vos muscles avant de consulter votre médecin, car cela peut interférer avec les médicaments. Commencez par des exercices légers et lents et augmentez progressivement au fur et à mesure que votre corps s'adapte, en prenant des pauses entre les exercices. 5 meilleurs exercices pour stimuler une thyroïde sous-active. Les exercices les plus importants qui aident à activer la glande thyroïde et ne provoquent pas de fatigue, selon le site Daily Medical Info, sont Aquagym, nage légère. Les exercices de natation sont considérés comme l'un des meilleurs exercices pour les patients hypothyroïdiens. Rester dans l'eau avec une nage légère aide à soulager la pression sur les articulations. Marche rapide. L'un des types d'exercices les plus simples pour stimuler la glande thyroïde. La marche active le rythme cardiaque et brûle des calories à raison de 280 calories par heure. Faire du vélo. Le cyclisme est l'un des meilleurs exercices pour les patients hypothyroïdiens, car il s'agit d'un exercice cardio important qui active le cœur et réduit le stress, et ne provoque pas de stress articulaire. Yoga. Le yoga aide non seulement à renforcer et à étirer les muscles, mais vous aide également à mieux respirer, car une étude a révélé que les patients souffrant d'hypothyroïdie qui ont pratiqué le yoga pendant 6 mois avaient un poumon plus fort. Des études ont également prouvé que la pratique du yoga chaud régule les sécrétions de la glande thyroïde. Considérant que, effectuer de nombreux mouvements et postures de yoga dans des salles de yoga chaud aide grandement à améliorer les fonctions thyroïdiennes. Des études indiquent que la posture du chameau et la posture du cobra sont l'une des positions les plus appropriées pour traiter les problèmes de thyroïde et réguler les hormones sécrétées par cette importante glande. Il resserre les muscles du cou, des épaules et de la région du cou et empêche la glande thyroïde de grossir ou de s'infecter. Yoga Tai Chi. Aussi appelée technique de méditation de mouvement, qui implique de se déplacer au ralenti de certaines manières, des études suggèrent que le Tai Chi aide à réduire le stress et à améliorer l'équilibre et l'humeur. La différence entre les symptômes d'une glande thyroïde active et d'une glande thyroïde sous-active est un problème important, car la glande thyroïde est l'un des organes les plus importants du corps, qui joue un rôle majeur dans les processus vitaux et la production d'énergie grâce aux hormones qu'elle fabrique. Et sécrète dans le sang malgré sa petite taille. Tout déséquilibre au niveau des hormones thyroïdiennes peut entraîner des troubles dans le corps humain, et ce déséquilibre est connu sous le nom d'hyperactivité ou d'inactivité de la glande thyroïde. Les principaux symptômes d'une glande thyroïde active et sous-active. Hypothyroïdie. Cela se produit lorsque la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones pour répondre aux besoins de l'organisme. Cela conduit à un ralentissement des fonctions de l'organisme. Cause de la paresse, de la léthargie ou de l'hypothyroïdie. L'une des causes de l'hypothyroïdie est une maladie auto-immune comme la maladie de Hashimoto. Radiothérapie et chirurgie de la glande thyroïde. Carence en iode. Problèmes congénitaux à la naissance. Maladie de l'hypophyse. Prenez des médicaments. Hyperthyroïdie. Cela se produit lorsque la glande thyroïde produit une grande quantité d'hormones thyroxine, en raison de plusieurs conditions médicales telles que la maladie de Graves ou l'apparition de nodules ou de croissance dans la glande thyroïde, en plus de la thyroïdite et de l'excès d'iode dans le corps. Plus de femmes que d'hommes souffrent d'hyperthyroïdie. La différence entre les symptômes d'une glande thyroïde active et sous-active en détail. Les patients avec une glande thyroïde active souffrent des symptômes suivants. Perte du poids. Augmentation de la transpiration. Irritabilité. Rythme cardiaque rapide. Le manque de sang menstruel et la possibilité de son apparition moins. Faiblesse musculaire. Dans le cas d'une glande thyroïde sous-active, la personne affectée peut ne présenter aucun symptôme ou signe d'hypothyroïdie au début. Mais avec le temps, surtout si la maladie n'est pas détectée et traitée, le patient commence à souffrir des symptômes suivants. Constipation. Douleurs articulaires, gonflement et raideur dans certains cas. Faiblesse musculaire. Prise de poids. Une dépression. Sécheresse cutanée. Enrouement. Perte de cheveux. Mauvaise mémoire. Ménorragie chez les femmes ou irrégulières. Ralentissement du rythme cardiaque. Se sentir fatigué et épuisé. Niveau élevé de cholestérol dans le sang. Sensibilité accrue au froid. Ressentir parfois des douleurs et des raideurs musculaires.
Goitre. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'infos.